bloc, dans mon île, dans mon cocon, bloc à bloc, tic-tac-tou, tic-galou, tic-galou, tic-béco sur le museau. À petit béton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bons. Je viens encore de nourrir mes petits chevaux de mer. Ils mangent presque tout le temps. Tu as bien raison. Ils sont gourmands. Oh. Entrez. Alors, Cornélie, on est venu voir les chevaux. Où sont-ils? Les chevaux, ils sont dans l'aquarium. Hein? Dans l'aquarium? Mais oui. En fait, ce ne sont pas de vrais chevaux, ce sont des chevaux de mer. Hein? Ce sont des poissons. Ah, des chevaux poissons. Ah, je vois. Quoi? Qu'est-ce que... Oh, mon petit soleil est arrivé. Bonjour, mon trésor. Je suis contente de te voir. J'ai deux belles petites surprises à te montrer. Cornélie! J'arrive. Le poisson, là, il a une queue qui s'enroule. Eh oui, c'est un poisson très spécial. Et savez-vous quel est son vrai nom? Non. On l'appelle Hippocampe. Hippocampe? Ah oui, oui, oui. Tu en avais un l'autre jour, je m'en souviens. Il a une queue qui s'enroule comme moi. Regarde-lui, on dirait qu'il essayait d'enrouler sa queue autour du nez. Oui, moi aussi je le vois. Et regardez sa tête. Elle ressemble à un cheval. C'est pour ça qu'on l'appelle un cheval de mer. Moi, je trouve qu'il ressemble à un dinosaure. Et moi, là, je trouve qu'il ressemble à un vieux, vieux dragon. Ah, oui, un dragon. Tu as raison, Bagou. En fait, les hippocampes sont parmi les plus vieux poissons du monde. Ils existaient il y a 40 millions d'années. Et regardez, vous voyez comment ils nagent? Ils nagent debout. Comment ça se fait? Ah, ça, c'est grâce à la nageoire très spéciale qu'ils ont sur le dos. Elle leur permet de se déplacer de bas en haut. Oh, oui, il a une bouche en trompette aussi. C'est comme une paille, hein? Il s'en sert pour aspirer la nourriture. D'ailleurs, ils ont peut-être encore faim. Vous allez voir comme ils vont se régaler. Oui. Petit poisson, venez manger. Ah oui, mais bien sûr. Assoyez-vous avec Bagou et Tibor. Ouais, ah oui. Je vais vous raconter mon histoire, mais je vais avoir besoin de votre aide, hein. À chaque fois que le dragon soufflera, vous allez souffler avec lui, comme ceci. D'accord? Oui, d'accord, d'accord. Allons-y. C'est l'histoire de Bougon, le dragon qui n'arrivait plus à cracher du feu. Pauvre Bougon. Ses amis avaient pourtant bien essayé de l'aider. Ouhou, le hibou lui racontait ses histoires préférées. Et après son histoire, il demandait au dragon de cracher du feu. Et Bougon soufflait. Soufflait. Mais pas de feu. Il ne soufflait que des nuages bleus. Le lutin Tatin, lui, essayait de l'émerveiller chaque jour en lui faisant un nouveau tour de magie. Et après son tour de magie, Tatin demandait au dragon de cracher du feu. Et Bougon soufflait. Soufflait.
Mais pas de feu, il ne soufflait que des nuages bleus. Même Salière, la sorcière, avait puisé ses recettes magiques. Chaque jour, elle faisait boire une nouvelle potion à Bougon. Puis, elle lui demandait de cracher du feu. Et Bougon soufflait, soufflait. Mais pas de feu, il ne soufflait que des nuages bleus. Ah, le pauvre Bougon était de plus en plus malheureux. Lorsque soudain, par une nuit de pleine lune, il aperçut ses trois amis réunis. Ils lui apportaient une potion spéciale fabriquée à partir des idées de chacun. Ensemble, ils avaient réussi à réunir tous les ingrédients. Un rayon de lune ramené par le hibou, de la mousse précieuse des bois ramenée par le lutin et une poudre d'or que seule la sorcière savait où trouver. Salière fit boire au dragon la précieuse potion. Bougon se sentit aussitôt rempli d'une douce chaleur. Puis la sorcière, le lutin et le hibou, remplis d'espoir, demandèrent à Bougon de cracher du feu. Bougon se mit à souffler, souffler, souffler. Et d'un seul coup, il se mit à cracher du feu. Un énorme feu rouge et joyeux de dragons heureux. Et c'est ainsi que, grâce aux idées réunies de ses amis, Bougon le dragon retrouva pour toujours son feu de dragon heureux. Je m'appelle Ricardo. Et je suis un pêcheur de poissons. J'ai vu une île. Et sur l'île, il y avait une petite maison. Alors, j'ai ouvert la porte de la maison. Et puis là, j'ai vu une petite boîte. Et j'entendais quelque chose gratter. J'ai pris la boîte. Il y avait un petit chat. Je l'ai mis par terre. Il est parti en courant. J'ai embarqué dans le bateau et je me suis mis à ramer. Et il y avait un gros vent qui soufflait dans mes voiles. J'étais content d'avoir fait une belle balade en bateau. Regarde, regarde. Ça, là, ça va faire comme un stéthoscope.
comme le stéthoscope de cornemuse pour écouter le cœur des animaux. Je sais, voilà, je vais faire un lutin médecin qui soigne les dragons et les sorcières. Ah oui, oui, oh, madame le lutin, écoutez mon cœur. Oui, ma sorcière, ça va pas faire mal. J'entends rien. Faudrait que je mette quelque chose au bout de mon tuyau. Ah oui, il faudrait mettre quelque chose, Rafi. Oh, peut-être qu'on pourrait regarder dans le carré de sable. Ça, regarde! Ça, là, ça fait comme un stéthoscope pour écouter le cœur. Comme celui de cornemuse. Ah oui. Attention! On est des dragons! Wow! Beau déguisement! Wow! Moi, j'ai une idée. On pourrait faire un spectacle. Un vrai spectacle de dragons, de lutins et de sorcières. Oui! Oui! Mais on va éviter Grand-Papou et Cornemuse! Oui! Oui! Grand-Papou, Cornemuse! Je suis bien content de ma cabane d'oiseaux. Qu'est-ce que tu dis? Ben non, je ne l'ai pas faite pour moi, ni pour Bambou, ni même pour Bagou. Ah non, j'ai construit cette cabane d'oiseaux pour l'échanger. Eh oui, je vais l'échanger contre ces bûches de bois. C'est mon ami Bardot qui les a coupées. Eh oui, des bûches de bois contre une cabane d'oiseaux. Ah, mon ami Bardot et moi, on fait souvent des échanges comme ça. Eh oui, on appelle ça faire du troc. Comment? Tu me demandes ce que c'est que faire du troc? Ah, faire du troc, c'est une autre façon de payer quand on achète quelque chose. Tu vois, d'une certaine façon, j'achète ces bûches de bois. Mais au lieu de les payer avec de l'argent, je les paie avec une cabane d'oiseaux. Donc, je fais du troc. Le troc, ça existe depuis très longtemps. En fait, c'était la seule façon qu'on avait de vendre et d'acheter des choses autrefois. Hein? Tu veux savoir pourquoi? Eh bien, parce que l'argent n'existait pas. Mais non, pas de 25 sous, ni de 1 dollar, ni de 5 dollars, rien. Alors, si quelqu'un voulait acheter du lait, il payait non pas avec de l'argent, mais par exemple avec des œufs. Oh, ou si quelqu'un voulait acheter des souliers pour toute sa petite famille, il pouvait aller chez le cordonnier avec sa chèvre et payer les souliers en donnant sa chèvre au marchand. Eh oui! Heureusement, depuis, on a inventé l'argent. Hein? On n'est plus obligé de se promener avec une chèvre ou des œufs pour payer ce qu'on achète. Comment? Ah, tu me demandes si le troc existe encore? Ah, mais bien sûr! Moi, je fais souvent des échanges comme ça avec mon ami Bardot. Ah, vive le troc! Eh oui! Banane! Un morceau de fromage. Oh. Des raisins. Un lapin tube. On peut le couper en deux, comme ça. On fera des essences, un qui a un morceau, puis moi j'aurai l'autre moitié. Comment on appelle ça, ces échanges-là? Du troc. Maman, je te donnerai une de mes bananes. Moi, ouais, puis moi, je te donnerai une moitié de ça. Hein? Je voulais. Tu me donnes ça? Ouais. Oh. Wow! Tu peux échanger pour un fromage? Tiens! Ça va être la maison du dragon de mer. Non, monsieur le dragon de mer, vous avez une belle maison. On va dire que le dragon de feu, il était malade, d'accord, Bagou? Vous tous, c'est trop, dragon de feu, je vais vous examiner. Oui, et après, dans l'histoire, la Rafi, on va dire que mon dragon, là, il ne veut pas se faire soigner. Non, je suis même pas malade. Attention, je vais cracher du feu. Bagou, on va dire que le dragon de feu, il avait craché tellement de feu, là, que la cabane avait pris en feu. Oh, oui.
Moi, je vais cracher de l'eau pour éteindre le feu de la cabane. Oui, oui, ça, c'est une bonne idée. Ah, ouais, mais là, on n'en a même pas de cabane. Oh, oh oui, mais on peut en faire une avec les boîtes là-bas. Oui, 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 une bonne idée. J'ai juste le temps de finir de réparer la bicyclette de Zach avant d'aller voir le spectacle des enfants. Ah, la bicyclette, quelle belle invention! Une invention?
Une invention, c'est quelque chose qu'on trouve ou qu'on découvre et qui n'existait pas avant. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Eh oui, la bicyclette, c'est une invention. Une invention qui existe depuis longtemps et qui s'est beaucoup améliorée. La bicyclette n'a pas toujours ressemblé à celle que tu vois ici. Non, imagine-toi que la bicyclette, au début, lorsqu'elle a été inventée, eh bien... Ah, tiens. J'ai un petit jeu pour toi. Hein? Je te montre trois dessins de bicyclettes et tu vas me dire laquelle des bicyclettes appartient à Zach. Remarques-tu quelque chose sur ce dessin? Ben oui! Il n'y avait pas de siège sur les premières bicyclettes. Alors, il fallait mettre un coussin pour s'en servir. Et pour avancer, il fallait pousser avec ses pieds. Oh, oui. Ça devait être fatigant quand on avait un long chemin à faire. Mais plus tard, quelqu'un a pensé à améliorer l'invention. Eh oui! On a ajouté à la bicyclette un siège pour s'asseoir et surtout des pédales. Oh! Oui, tu as vu la grande roue et la petite roue. Et ça devait être pas facile du tout, hein, de tenir là-dessus. Les gens devaient tomber souvent. Oh, regarde bien cette bicyclette. Le cadre et les roues sont en métal. Elle a des pneus à crampons et des vitesses pour aller plus vite. Et surtout pour bien monter les côtes. Hein. Oh, regarde le guidon comme il est beau. Hein. Alors dis-moi, laquelle de ces bicyclettes appartient à Zach? Hein? La première? La deuxième? Ou la troisième, hein? Laquelle tu choisis? Eh oui, tu as raison. C'est la bicyclette de Zach, celle qui a un siège, des pneus de caoutchouc et bien sûr des freins. Eh oui. Ah, oh, merci bien, madame, la sorcière. Moi, là, je suis une sorcière à trottinette. Attention, attention, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Le dragon de feu, je pense qu'il a le rhume. Non, moi je ne suis pas malade. Oui, tu es malade, tu as le rhume. Arrête de bouger là, pendant que j'écoute ta gorge. Attention, je vais cracher du feu. Vous avez préparé tout ce spectacle tout seul. Ouais.
Déjà? Oh. Zozo me dit que c'est le temps de se dire au revoir, mon trésor. Mais avant, j'aimerais bien savoir si toi aussi tu as plein d'idées dans ta boîte à images, dans ton panier à idées. Oh, je suis certaine que oui. Aujourd'hui, je t'envoie des bisous. Oh, des bisous tout costumés qui vont se rendre dans ta boîte à images et tu pourras les imaginer comme tu veux. Attention, ils arrivent. À bientôt, mon petit amour plein d'idées.